J'aime l'alcool. J'aime le vin. J'aime le whisky. J'aime les pierres. J'aime les casapétos. J'aime toutes ces choses. Alcoolisées. Toutes ces boissons. Alcoolisées. Bien-aimé, ces choses, la chair, les aime pas, la chair, les aime pas, la chair, les aime pas, quand tu vas mourir, ton corps, ta carapace, toute une enveloppe temporelle, tes os, la chair, vous pourrissez dans le sol, dans le sable, dans la poussière. C'est qui va partir? C'est ton âme. C'est ton âme. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Qui adores-tu? Qui adores-tu? Qui adores-tu? Fais-tu la volonté de Christ? Fais-tu la volonté de Christ? En ce lieu, le chapitre est gâté. Est-ce que tu marches? Le chapitre est gâté. Est-ce que tu marches? Selon la volonté de Jésus. Est-ce que tu marches? Selon Jésus. Il est écrit,
Le père dit,
Toi, toi, tu ne peux pas abandonner ces choses. Le chemin, le chemin, le chemin, où ça va te conduire. Tu n'allais pas à l'âme de feu. Le pas à l'âme de feu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi qui passes en ce lieu. Toi qui passes en ce lieu. Tu es attaché. Tu es attaché. Au changement. Tu aimes bien. Le plein de grâce. J'aime parler. J'aime ta pièce ici. Je vais exposer ton corps. Tu as pied. On va t'apporter. Tu as pied. On va te voler. Tu as pied. On va te tous. Tu as pied. On va te nourrir. Tu as pied. On va ton dos. Tu as pied. On va même. On va même. C'est ça. Bien aimé. Tu es destiné à ces choses. Le chemin. Le chemin. Ça te conduit. Tu n'es pas à temps de feu. Tu n'es pas à temps de feu. Tu n'es pas à temps de feu. Le feu éternel. Le feu éternel. Bien aimé. Maintenant, mon Dieu, mon roi, roi de gloire, roi de gloire, Dieu tout-puissant, voici que ton fils ce matin est venu à toi, avec le Père. Père éternel, je ne connais pas sa vie, mais c'est toi seul qui connais sa vie. Je ne peux plus reconnaître le destin de cet enfant. Je ne peux plus ne pas te descendre ta personne. Je ne peux plus ne pas te descendre ta personne. Je ne peux plus ne pas te descendre ta personne. Je ne peux plus ne pas te descendre ta personne. De la même manière, tu as parlé à Moïse. Dans une plante de feu, éternel, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Que ton feu descende, 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 tu vas embraser. Toute plante que je n'ai pas planté en lui, il est écrit dans ta parole, toute plante que je n'ai pas planté dans le céleste, sera déracinée. Et sur ta parole, je déclare un nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus, que toute plante qui n'a pas été plantée dans ce corps, que le temps du Saint-Esprit, soit déracinée maintenant, 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 maintenant,
consumer tout ce qui est de ténèbres. Consumer tout ce qui est de ténèbres. Consumer tout ce qui est de ténèbres. Ne pas torcer. Ne pas torcer. Ne pas torcer. Épuisez la chaîne. Épuisez la chaîne. Épuisez la chaîne. La chaîne du péché. La chaîne de l'amour du monde. La chaîne de l'alcool. La chaîne de l'alcool. La chaîne de l'alcool. La chaîne de l'alcool. Tu m'épuises maintenant. Tu l'abuses maintenant, tu l'abuses maintenant, tu l'abuses maintenant, tu l'abuses maintenant, tu l'abuses maintenant. Tu as dit dans ta parole que votre corps, que tout votre être entier, votre corps, votre âme et votre esprit soient cadeaux irrépréhensibles au jour de l'avènement, au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, son âme t'appartient, Seigneur, son esprit t'appartient, Seigneur, son corps t'appartient. Maintenant, tu es pour possesser de ce qui t'appartient. Tu es pour possesser de ce qui t'appartient. Maintenant. Viens prendre possession de ce qui t'appartient. Maintenant, viens prendre possession de ce qui t'appartient. Père, tu n'as jamais été un Dieu menteur. Tu n'as jamais été menteur. Tu n'as jamais été menteur. Et ta parole qui est trop loin, mais il manque. Ta parole qui est trop loin, mais il manque. Viens pas ton feu. Dépouiller de ce corps, ce qui vient de ténèbres. Viens dépouiller de ce corps, ce qui vient de ténèbres. Viens dépouiller de ce corps, mais ce qui vient de ténèbres. Viens le consumer. Viens le brûler. Viens le brûler. Viens le brûler Le Seigneur Jésus, c'est d'abord lui-même sa parole.
Sois à l'église. Actuellement, là, lui, il est temps, il n'a pas.
tu ne sais pas. Comment tu vas? Moi aussi. Il y a un événement. Il y a un événement. Il y a un événement. Il est simple. Tu es ici. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les temps anciens. Dans les temps de Noé. Dans les temps de Noé. Il y a eu le déluge. Dans les temps de Noé. Il y a eu le déluge. À notre temps, ce qui va venir, c'est l'enlèvement. Dans le feu éternel, bien-aimé, bien-aimé, il ne
pas cela pour toi. Maintenant Jésus ne fait pas cela pour toi. Le Seigneur Jésus ne fait pas cela pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Comme il t'a aimé le premier. Comme il t'a aimé le premier. Lui-même. Dieu qui l'est. Dieu qui l'est. C'est peuplé. Il est de toute sa gloire. Il est venu. En forme de serviteur. Il est venu. En forme d'un homme. Mais n'est qu'une femme. Il a supporté. Regarde le chemin. Jusqu'à la croix de Golgotha. Regarde le chemin. Regarde tout ce qui s'est vécu. Regarde tout ce que le Seigneur Jésus a vécu. Regarde tout ce que le Seigneur a vécu. Regarde tout ce que le Seigneur a supporté. À cause de toi. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu. On lui a craché. On lui a craché. On l'a fait pour. Dans son visage. Lui qui est Dieu. À cause de toi. Toi qui joues avec la vie. Toi qui en parle de Jésus. Et tu ne veux rien comprendre. Et tu rejettes tout. Et tu ne fais pas comprendre. Les chrétiens de Béret. Si ce qui est dit, est vrai. Mon pasteur n'a pas dit ça. Mon prophète n'a pas dit ça. Mon apôtre n'a pas dit ça. L'homme qui a été sur la chaîne, celui qui t'a placé tout ton pouvoir, de ce qui est écrit et donc de ce qui est sorti de la bouche de quelqu'un.
Alléluia. Ce qui m'a décevé, c'est ta soumission à ce qui est écrit et même ce qui est sorti de la bouche de quelqu'un. Parce que quelqu'un peut parler de son propre poids. Quelqu'un peut chercher une autre propre gloire. Mais lorsqu'il va chercher sa propre gloire, en te prêchant l'évangile, il n'est pas écrit. Bien qu'il ne vient pas de Christ, il te va prêcher la volonté du diable. Il te va prêcher Satan. Et lorsque tu reçois cette semence qui t'a prêché, qui n'est pas ce qui est écrit, bien-aimé, tu ne peux entrer au ciel. Tu ne peux entrer au ciel. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Annoncer la vérité. La vérité là, le Seigneur Jésus l'a dit. Il dit que votre corps, que tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit soient gardés irrépréhensibles, soient gardés sans tache, ni ride, soient gardés conservés, préservés, éloignés des choses du monde. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dis quoi? On va aller maintenant dans les détails. Bien-aimé, croyez-moi. J'ai entendu la partie de l'Église de 1 Corinthiens 11. Tu ne peux pas prophétiser. Tu ne peux pas prier. La tête couverte. La tête couverte. La tête couverte. Quand tu le fais, ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, mais dans la volonté du diable. Si c'est ton cas, repends-toi. Si c'est ton cas, repends-toi. Aussi, tu peux la faire. Le Seigneur dit, tu ne peux pas venir dans sa présence. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prophétiser. La tête non voilée. La tête non voilée. La tête non voilée. Le Seigneur le précise bien. Il est au contraire de l'homme. Il est au contraire de l'homme. Toi, la femme, tu ne peux pas prier ou prophétiser. La tête non voilée. Toi qui le fais, tu te désignes ton chef. Bien aimé, le Seigneur Jésus, il n'est pas dans les émotions. Tu l'acceptes, c'est que tu te soumets à sa parole. Tu le rejettes, c'est que tu rejettes sa parole. Et malheureusement, si tu rejettes sa parole, tu n'es pas bon pour toi. Si tu rejettes sa parole, tu n'es pas bon pour toi. C'est pas un temps de feu. Si tu relèves ta parole, tu vas à perdition. Si tu relèves ta parole, tu vas dans le feu de l'état avant de feu. Tu vas dans le feu éternel. Tu vas en enfer. Bien-aimé, c'est toi le Seigneur Dieu. C'est ta sanctification. La sanctification de ton corps. La sanctification de ton cœur. La sanctification de ton âme. La sanctification de tes pensées. Bien-aimé, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas avoir des pensées mauvaises. Tu ne peux pas avoir des pensées mauvaises. Tu ne peux pas nourrir dans ton cœur dans l'œuvre volée. Tu ne peux pas nourrir dans ton cœur dans l'œuvre tromper quelqu'un. Tu ne peux pas nourrir dans ton cœur dans l'œuvre faire la corruption. Tu ne peux pas nourrir dans ton cœur dans l'œuvre tromper la vigilance des gens. Pour prendre le bien, pour t'apparer le bien. Quand tu as reçu Jésus, tu ne t'adonnes pas à ces choses. Bien aimé, le Seigneur Jésus ne suffit pas à ce qu'on dise, moi je suis chrétien, non. La marche avec Jésus là, ne suffit pas à ce qu'on dit, moi je suis chrétien, non. La marche avec le Seigneur Jésus, c'est la soumission à sa parole, c'est la mise en application de sa parole, c'est la mise en application de ses préceptes, de ses lois morales, de ses ordonnances. C'est ça, marcher avec Jésus. C'est cela, marcher avec Jésus. C'est cela, marcher avec Jésus. Bien aimé, ce que tu as à faire, c'est de ne pas faire la volonté du monde. Le Seigneur disant dans sa parole, il ne fait aimer le monde. Le Seigneur parle de beaucoup de choses. Oui, c'est que toi, femme qui passe en Seigneur. Toi, femme qui passe en Seigneur. Quand tu es vêtu de ton talent, tu n'es pas la volonté du monde. Tu n'es pas l'amour du monde. Le Seigneur est le Seigneur du monde. On est sans fleurs de sa vie. On est sans fleurs de sa vie. Le Seigneur dit les appareils. En Deutéronome 22, verset 5, il dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car tu t'en fais ces choses. Et en abomination à l'éternel ton Dieu. Bien aimé.
toi femme, quand tu portes les pantalons, quand tu portes les pantalons, le Seigneur dit que tu as une abomination à lui. Quand tu portes les pantalons, tu es comme un Dieu appuie sur toi la malédiction. Toi femme, quand tu portes les pantalons, ne fais pas dire un pantalon de femme. C'est un évangile qui vient du diable. Il n'y a pas de pantalon de femme. Toute la fois que tu fous au pied la parole du Seigneur, tu es frappé de malédiction. C'est que tu as fait. C'est que tu as fait pour que cette malédiction soit révoquée. C'est de reconnaître, de demander pardon au Seigneur Jésus. De demander pardon au Seigneur Jésus. Et de repentir de ses péchés. Afin que le Seigneur Jésus, dans sa compassion, vienne retirer cette malédiction. Vienne retirer cette malédiction. Et le Seigneur Jésus n'est pas dans les émotions. Il est dans l'application stricte de sa parole. Il est dans l'application stricte de sa parole. Et sa parole, c'est de Genèse à Apocalypse. Le Seigneur dit aussi qu'un homme n'était pas allé, n'était pas touché avec un homme comme on touche avec une femme. Un homme n'était pas touché avec un homme comme on touche avec une femme. C'est une malédiction. C'est une abomination. Mais même toi, tu es dans ces choses. Toi, tu es dans les attouchements homme-homme. Toi aussi, tu es dans les attouchements femme-femme. Toi qui couches avec ta camarade femme. Toi qui couches avec ton camarade homme. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Toi-même qui es marié. Toi-même qui as jeté ta femme. Toi-même qui as jeté ta femme. Elle est ta femme. Elle touche chez toi. Mais quand vous allez à l'acte sexuel, sur les lits conjugales, ta touche est orientée de son sexe, ta touche est orientée de l'essence de ta femme, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une abomination. Si c'est ton cas, répands-toi. Si c'est ton cas, répands-toi. Toi qui touches avec ta femme, et puis tu prends ta touche, tu mets de son sexe. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Toi qui touches avec ta femme. Et puis tu prends ton sexe. Elle met de sa bouche. Toi, enfant, le Seigneur te dit, réponds-toi. Toi, femme, tu passes au Seigneur. Tu prends le sexe de ton mari. Tu mets dans ta bouche. Parce que pour toi, vous êtes marié. Donc vous avez le droit de faire tout ce qu'on veut. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Avec une société là. Toi, tu prends la coupe à ton mari, le Seigneur te dit, repends-toi avec une société là. Toi aussi, tu lèches ta femme, tu prends ta bouche, tu es entendu dans les salles de ta femme, le Seigneur te dit, repends-toi avec une société là. Repends-toi avec une société là. Toi aussi, tu as dans le cœur, ne m'aimes plus, tu n'aimes pas ton mari. Toi aussi qui avais le cœur, la haine, tu ne pardonnes pas. Parce que selon toi, il y a eu quelque chose. Et selon toi, tu as raison. Et quand tu as raison, malgré tout ce qui a été dit, tu ne veux pas pardonner. Malgré tout ce qui a été dit, tu ne veux pas pardonner. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Le Seigneur te dit, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus lui-même qui est Dieu, tu n'as rien fait. Qui n'a rien fait, a traité de tout un tas de choses. À qui on a traité tous les noms, tous les mauvais noms du monde. À qui on a dit des choses qui sont fausses. À qui on a dit des mensonges. À qui on a dit beaucoup de choses mauvaises, mais qui a pardonné. Lui-même qui a été humilié. Lui-même à qui on a craché dans le visage, mais qui a pardonné. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner ce que les gens t'ont fait. Qui es-tu? Tu ne peux pas pardonner aux gens ce qu'ils t'ont fait. Qui es-tu? Tu ne peux pas pardonner aux gens ce qu'ils t'ont fait. Où prétends-tu aller? Après ta mort, tu ne peux pas pardonner aux gens ce qu'ils t'ont fait. Où prétends-tu aller après ta mort? Toi qui ne peux pas pardonner aux gens ce qu'ils t'ont fait de mal. Toi qui ne peux pas pardonner aux gens ce qu'ils t'ont fait de mal. Où est-ce que tu voudrais aller? Après ta mort, où est-ce que tu veux que ton âme soit jetée? Après ta mort, elle ne me laisse pas te dire, si tu ne pardonnes pas, que la mort te supplie.
alors que tu n'as même pas le temps de pardonner, tu pourrais pas penser. Je te dis la vérité. Quelles que soient les raisons, tu viens de cette décision que tu as, de ne pas pardonner. Tu peux même dire que tu as raison. Tu peux même avoir raison sur ta vie. Mais à cause du fait que tu ne pardonnes pas, oh le Seigneur Jésus, n'aime pas ceux-là même qui ne pardonnent pas. Ceux-là même qui ne pardonnent pas. Ceux-là même qui n'aiment pas pardonner. C'est des gens qui sont orgueilleux. Oh le Seigneur Jésus n'aime pas l'orgueil. Le Seigneur Jésus est venu nous montrer la foi. Par tout ce qu'il a subi sur cette terre, mais malgré toutes ses souffrances, malgré toutes ses humiliations, lui, il nous a montré la voie. Lui, il a pardonné. Toi, qui es-tu pour ne pas pardonner à ton frère? Toi, qui es-tu pour ne pas pardonner à ta soeur? Le Seigneur te t'appelle ce matin. Réponds-toi du manque de pardon. 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 Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Toi, tu as tendance à considérer la parole de Dieu comme quelque chose de matériel, quelque chose qui évolue, quelque chose qui évolue. Lorsqu'on ne comprend pas la parole de Dieu, lorsqu'on décide une écriture, tu as tendance à dire, mais ça c'est dans l'époque ancien, ça c'est dans l'ancien temps, mais ça c'est l'ancien temps. Ça, c'est le temps de la loi. Bien aimé, le Seigneur Jésus, il tient à sa parole. Et il déclare à sa parole qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Le Seigneur Jésus, comme sa parole, il ne change pas. C'est pourquoi quand on décide une écriture, on décide une écriture, et quand on te dit que le Seigneur ne veut pas de ces choses, tu ne viendras pas dire ici, non, ça c'était avant. Non, ça c'était avant. Le Seigneur Jésus, n'est pas un matériel, n'est pas une chose créée par le monde qui évolue. Le Seigneur Jésus n'est pas un portable qui évolue. Le Seigneur Jésus n'est pas un ordinateur qui évolue. Le Seigneur Jésus n'est pas ta musique moderne qui évolue. Le Seigneur Jésus n'est pas dans ces choses qui évoluent. Le Seigneur, il est le même. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Que le Seigneur te bénisse. 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 Bien aimé, les temps sont finis. Ce que le Seigneur veut, c'est que sur ton corps, tu ne manques pas n'importe quoi. Ce que dans ton âme, c'est-à-dire dans ton cœur, tu ne manques pas n'importe quoi. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu manifestes tout ce qui est contenu dans le fruit de l'esprit. C'est que tu manifestes l'amour, c'est que tu manifestes la bonté, c'est que tu manifestes la patience, c'est que tu manifestes la douceur, c'est que tu manifestes la bénignité, c'est que tu manifestes la tempérance, c'est que tu manifestes la paix. Voici ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que tu manifestes toutes choses qui glorifient le monde des ténèbres. Ce que le monde des ténèbres veut, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et que tu fasses le choix de la vérité, que tu fasses le choix du chemin, que tu fasses le choix de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il y a un chemin pour y aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Il y a un chemin pour y aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Il y a un chemin pour y aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges promenaient au cours du soleil, ils sont venus.
tu en habit blanc. Et toi, pêcheur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, braqueur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller au ciel? Est-ce que tu pourras, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, adjoncteur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, je te désire, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Shalom, shalom, mes frères, mes soeurs. Shalom, shalom. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Que sa grâce sur la croix sur vous. Bien-aimés, nous sommes de l'Église de Père National Jésus de Bien. Bien-aimés, nous sommes venus vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de déclare que Dieu donnera à boire à celui qui a soif. Bien-aimés, c'est vrai. Tu peux penser que tu es chrétien, mais tu as soif de Jésus. Parce que tu ne connais pas la vérité. Parce que tu n'as pas encore bu le bon breuvage, bien-aimé. Jésus-Christ a tout mis dans sa parole. Jésus-Christ a tout fait pour que nous, ses enfants, nous soyons sauvés. Bien-aimé, Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. C'est l'homme qui oublie. Mais Dieu n'oublie jamais, bien-aimé. Jésus-Christ a dit dans sa parole que le chemin de la vie et de la vérité, nul ne va au Père que par lui. Il n'y a pas un autre chemin à part Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu à part Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre maître à part Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre enseignement à part Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Créature de Dieu, Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Car les temps sont finis. Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsque l'abomination va rentrer parmi les saints, bien-aimé, ces signes ne monteront que nous sommes dans le temps de la paix. Bien-aimé, Jésus-Christ encore te t'appelle. Jésus-Christ encore te t'appelle. Bien-aimé, autrefois, le chrétienisme, celui qui est chrétien était porté des hommes. Celui qui est chrétien était porté de bonnes moralités. Mais bien-aimé, regarde les chrétiens aujourd'hui. Bien-aimé, regarde les chrétiens aujourd'hui. Pose-toi la question. Regarde autour de toi. Regarde comment tes frères marchent. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Il a dit à sa parole. Et que lorsque la communion va rentrer dans sa maison, c'est que ça sera le moment de la paix. Bien-aimé, la communion est déjà rentrée dans l'église du Seigneur Jésus. Ces signes, bien-aimé, sont déjà accomplis. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Sauve ton âme, mon bien-aimé. Sauve ton âme, mon bien-aimé. Sauve ton âme, mon bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle encore. Il t'appelle. Bien-aimé, quand tu refuses d'écouter la parole de Dieu, quand tu dis que Jésus-Christ il regarde seulement le cœur, bien-aimé, la Bible dit que lorsque l'on est insensé, c'est ça qu'on touche son cœur. Bien-aimé, lorsque l'on est fou, lorsque l'on est perdu le sens, c'est ça qu'on touche son cœur. Bien-aimé, ton cœur qui t'amène à aller chez les scriptures, ton cœur qui t'amène à regarder le plus pornographique, et c'est à ça que tu dis que Dieu regarde, mon bien-aimé. C'est à ça que tu dis que Dieu regarde, mais tu es déjà disqualifié pour le ciel, mon bien-aimé. Tu es déjà un candidat assuré pour le faire. Mais Jésus-Christ a regardé tout cela, et il est venu à la croix de Golgotha. Il est venu, bien-aimé, donner son sacrifice. Il
nous serons sauvés. Il a montré le sang. Il a montré le sang à mes bien-aimés. Il a vu pourquoi que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il s'est appuyé de sa gloire. Il s'est donné lui-même serviteur. Il va nous montrer le chemin. Jésus-Christ a fait un parcours. Il a fait un parcours, mes bien-aimés. Et la Bible déclare qu'il est un pécheur. C'est pourquoi nous disons ces enfants. Que toi aussi, qu'on soit irréprochable, bien-aimé. Que toi aussi, qu'on soit irréprochable. Tu ne peux pas dire que tu imites Jésus-Christ et tu es rempli de poux. Tu ne peux pas dire que tu imites Jésus-Christ et tu es rempli de souillure. Jésus-Christ est tempé ce matin. Jésus-Christ est tempé ce matin. Toi qui as mis la foi en ce monde bébé pourri. Jésus-Christ est tempé. Réfends-toi. Et donc, t'as dit à Jésus, ma bien-aimé. Donc, t'as dit à Jésus, ma bien-aimé. Bien-aimé, regarde les hommes que ce monde-là te donne. Regarde la vie que ce monde-là te donne. Regarde la vie que ce monde-là te donne. Regarde l'éducation que ce monde-là te donne. Regarde l'éducation que ce monde-là te donne à tes enfants. Ma bien-aimé. Tu prends ton cœur. Tu as mis ta confiance à ce monde perdu. Ce monde dit pourquoi chicoter ton enfant. Ce monde dit pourquoi chicoter ton enfant. Laisse-le pas son propre chemin. Père, mais quand tu es laid, tes parents ne peuvent pas laisser. Ils t'ont montré un chemin. Mais toi, à ton fils, tu ne peux pas laisser ton enfant pas lui-même son propre chemin. Réponds-toi. Quand la Bible nous dit, Dieu qui nous a créés, il a un père. Nous, nous sommes ses enfants. Et que sa parole, que celui qui aime le châtie bien. Il veut que nous aussi, on prend bien son temps. Lorsqu'il ne marche pas, selon les voies qu'on les donne. Il dit que la chicane sur le pied de l'enfant. Que la chicane sur le pied de l'enfant. Mais le père t'a dit, oh, les enfants, ils sont drôles. Ils ont 11. Si tu les chicotes, là, ils ne vont pas aimer. Ils vont tomber malades. Mais bien-aimé, regarde ce genre d'enfant que tu as éduqué. Regarde la génération pourrie. Bien-aimé, regarde le danger qui quitte ses enfants. Regarde, mais bien-aimé, ce danger qui quitte ses enfants. Bien-aimé, Jésus-Christ a tenu de sa parole. On n'a rien à montrer à Dieu parce que devant ça passe rien de nouveau. On n'a rien à te montrer à Dieu parce que devant sa face, rien de nouveau. Marche seulement selon sa parole. Pour que, bien-aimé, tu aies la vie éternelle. Marche seulement selon sa parole. Pour que, bien-aimé, ta vie soit en paix. Je veux, bien-aimé, vous interpeller. Je veux, bien-aimé, vous interpeller. Regarde l'éducation de ses enfants. Regarde l'éducation, bien-aimé. De ses enfants, la génération future, ceux d'ailleurs qui seront peut-être chrétiens. Mais regarde, bébé, ce que le monde a passé pour eux. La chirurgie plastique n'est plus un tabou. Se modifier le corps n'est plus un tabou. On voit les personnes, même sur les chaînes publiques, des personnes abominables, des dangereux. Qui sont qui font des émissions, on légalise ces choses. Même en primaire, on n'a pas osé pas à pratiquer le sexe. Bien aimé, tu entends tout ça, et puis tu dois encore. Tu vois tout ça, et puis tu dois encore. Nous sommes dans la paix des temps. Nous sommes dans la paix des temps. Les temps sont finis. Quand vas-tu te réveiller, toi qui dors? Quand vas-tu te réveiller, toi qui dors? Jésus-Christ t'interpelle encore. Chrétien moderne, Jésus-Christ t'interpelle. Moi, je sais que Jésus-Christ a dit dans sa parole. Il est le même dans le commencement. Il est le commencement et la fin. Il n'a plus changé. Mais bien-aimé, mais regarde. Le diable est venu pervertir l'œuvre du Seigneur Jésus. Encore des chrétiens, des supposés chrétiens. Les débuts envoient des personnes qui sont lui, ses exemples.
qui sont réunis, c'est mon temps pour montrer la combinaison. Je supposais que ceux qui font des connaissances, les gens avaient les cheveux longs. Bien-aimé, quelle abomination! Quelle abomination! Toi qui vas dans ce genre d'église, dans ce genre d'assemblée, bien-aimé, Jésus-Christ n'est jamais avec ce genre de personnes. Jésus-Christ n'est jamais avec ce genre de personnes. Jésus-Christ n'a jamais été avec ce genre de personnes. Bien-aimé, toi qui aimes le mensonge, repends-toi. Toi qui aimes les illusions, repends-toi. Avec Jésus, il n'y a pas de rébellion. Avec Jésus, bien-aimé, on ne rêve pas. Parce que Jésus-Christ est réel. Et il nous a fait la marcher strictement selon sa parole. Jésus-Christ est réel, mon bien-aimé. Et il nous a fait la marcher selon sa parole. Les temps sont bénis. Les temps sont bénis. Tant que chrétien n'a vu pas des savants. Tant que chrétien n'a vu pas des savants. Tant que chrétien n'a vu pas des savants. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. Regarde les chrétiens d'avant. Regarde, mon père, avec toi qui suis la mort là. Regarde les chrétiens d'avant. Même nous, tu nous vois ici, je te regarde sur nous ici. On est chrétien. Comme toi aussi, tu dis que tu es chrétien. Mais pourquoi si on suit le même Dieu, on n'a pas la même manière de se vêtir? Pourquoi si on suit le même Dieu, on n'a pas le même évangile? Mon père aimé, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il a pris le chemin pour aller vers lui. Jésus-Christ n'a pas dit que chacun a son appel. Bien aimé, la Bible dit, le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, tous ces ministères ont un seul et le même esprit. Et leur évangile est pour une seule cause, pour gagner les âmes pour le ciel. Mais ma bien aimée, regarde comment tu t'as vu. Regarde comment tu t'as vu. Tu te dis que tu es chrétienne. Mais regarde comment tu t'as vu. Tu exhibes ton corps dehors. Tu portes des munitions. Tu portes des vêtements scellés. Bien aimé, ces choses ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu n'es même pas encore chrétienne. Tu n'es même pas encore chrétienne. Mais bien aimé, tu te séduis toi-même. Tu n'es même pas encore chrétienne. Parmi les enfants de Dieu, ton nom n'est même pas encore compté. Parce que Dieu connaît ses enfants. Et ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui marchent fortement sur la parole de Dieu. Jésus-Christ est appelé. Ton père qui passe la vie de l'oreille. Ton père qui passe la mèche. Bien aimé, répands-toi. Répands-toi. Bien aimé. Je me rappelle avant. Avant, même peut-être en 2010, tout près ici, on voyait les mères qui étaient exemples. Des mamans qui avaient un peu de pudeur. On voyait des mamans qui avaient un peu de pudeur. Mais bien aimé, regarde maintenant. Regarde les mères. Des femmes qui t'ont donné exemple. Elles aussi se tenaient pour sortir. Bien aimé, repentez-vous. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Porte ta vie à Jésus réellement. Marche réellement selon sa parole. Marche réellement selon la parole de Dieu. Bien-aimé, avec Jésus-Christ, ce n'est pas une communauté. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas une communauté. Dans le ciel, là-bas, il n'y a pas de marché catholique. Catholique ne va jamais couper le ciel. Bien-aimé, dans le ciel, là-bas, il n'y a pas de marché protestant. Il n'y a pas de marché baptiste. C'est ceux qui aiment Jésus qui sont sauvés. C'est ceux qui marchent sur la parole de Dieu qui sont sauvés. Mon bien-aimé, dans le fils là où tu vas, c'est quoi on pêche là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Depuis que tu te masturbes, tu n'as pas encore arrêté. Depuis que tu n'as pas encore copié, dans l'église, même le pasteur a couché avec toi. Mais bien-aimé, tu n'as pas encore abandonné cette pratique. La Bible déclare que lorsque la Sainte Jésus est là,
franchi. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ma bien-aimée, tu as accepté Jésus. Mais est-ce que ta vie est devenue nouvelle? Est-ce que tu es devenue une nouvelle personne? Est-ce que tu as changé ton mode de vie? Bien-aimée, est-ce que tu as changé ton mode de vie? Réponds-toi. Réponds-toi parce que les tensions déjà finies. Réponds-toi, mon bien-aimé. Réponds-toi, ma bien-aimée. Toi, ma soeur, tu t'entends proclamer pour mon pasteur. Tu t'entends proclamer pour mon pasteuse. Comme tu as eu un peu de vision, tu te vois ouvrir l'église. Quand tu es dans la Bible, si vraiment tu penses à un de Dieu, tu vas obéir à ce Dieu-là. Si vraiment tu prétends que c'est Dieu qui t'a appelé, obéis à ce Dieu-là. Parce que Jésus-Christ nous donne sa parole. Qui ne veut pas lui parler, conseiller. Conseiller la chair n'a pas autorité dans son église. Bien-aimé, Jésus-Christ ne connaît jamais la femme de prendre l'autorité dans son église. Femme, toi qui fais ces choses, répands-toi. Toi, mon pasteur, répands-toi. Réponds-toi, ma bien-aimée. Réponds-toi. Toi qui vas dans une église, ou sur une femme qui est pasteur. Mon bien-aimé, sortez de ce jeu d'assemblée. Sortez. Parce que Jésus-Christ n'a jamais écouté avec ceux qui penseraient sa loi. Jésus-Christ n'est pas avec ceux qui sont pervers. Jésus-Christ n'est pas avec les menteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Car les temps sont finis. Repentez-vous. Car les temps sont finis. Bien-aimé, toi qui vas dans une église, on te dit, viens, on va te laver. On va mettre ton pied. Ma bien-aimée, dis-toi que c'est la pratique de fétichisme. Dis-toi que bien-aimé, c'est un féticheur. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Jésus-Christ veut que tu sois obéissant à sa parole. Jésus-Christ veut que tu sois obéissant à sa parole. Regarde mon bien-aimé, la parole qui se passe dans les églises. On voit des pasteurs de tout le monde qui vendent pot, qui vendent plus de livres, qui vendent savon. Ma bien-aimée, quand tu vas sur la porte, tu vends ce qu'elle a. C'est quel pasteur là quoi? Et puis c'est l'homme qui va s'aider là-bas, là. Différence là. Mais bien, il y a une différence là. Jésus-Christ n'est pas dans ce genre de permettre la formulation. Jésus-Christ ne parle pas avec le mensonge. Quand tu parles de ce genre d'assemblée, répandez-vous. Répandez-vous, Jésus-Christ n'est pas là-bas. Si tu aimes Jésus, obéis à sa parole. Toi aussi, Jésus, c'est pour être sauvé. Quand je suis Jésus, c'est pas la vie éternelle. Ma soeur, tu vas dans l'église. On dit, je te fais. Tu te lèves pas à minuit. Faut envoyer ton mot. Ma belle, c'est du mensonge. C'est la féticheur. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Toi aussi, ma soeur, tu te prochaines devant sa fille. Jésus-Christ n'est pas dedans. Aucune personne qui avait fait ça n'est pas sauvée. Depuis des ancêtres qui adorent cette dame, n'ont jamais été sauvés. La fin de salut, péré dans l'abomination. La fin de salut de l'hypocrisie. Quand il te prostère devant une pierre, la tête de l'homme du bébé, parce que c'est peut-être que l'histoire, c'est Dieu qui ne comprend pas le français. Péré. Jésus-Christ t'appelle. Si tu meurs dedans, tu ne vas jamais reconnaître. Si tu meurs dedans, mon bébé, tu ne vas jamais connaître Jésus. Repentez-vous. Repentez-vous quand les temps sont finis. Repentez-vous. Mes soeurs, mes
les réseaux sociaux. N'importe qui c'est là. Qui se joue la coach. Puis on va te coacher. On va te montrer comment tu vas avoir la dent. Puis on va te coacher. On va te montrer comment ton esprit sera tranquille. Mais bébé, c'est Jésus qui donne la tranquillité de l'âme. C'est Jésus-Christ qui donne l'intelligence. C'est Jésus-Christ qui donne la tranquillité de l'esprit. Tant que tu n'as pas croisé Jésus, tu ne seras pas en paix. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu ne pourras pas avoir la paix. Parce que la paix, c'est en le nom de Jésus. Parce que la vie éternelle, c'est en le nom de Jésus. Mon bébé, ne te laisse pas séduire par cette personne. Ne te laisse pas séduire par cette personne. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par cette personne. Jésus-Christ a tout mis dans sa parole. Jésus-Christ a tout mis dans sa parole. Si tu veux avoir la stabilité morale, si tu veux avoir la stabilité dans ta vie, choisis le bon chemin. C'est parce que tu t'es détourné du. C'est parce que tu t'es détourné de la voix de Dieu que tu es troublé. C'est parce que tu t'es détourné de la voix de Dieu que tu es perdu. Parce que mon bien-aimé, Jésus-Christ est le seul chemin qui donne la vie. Jésus-Christ est le seul qui éclaire le chemin de l'homme. Jésus-Christ est le seul qui donne la tranquillité. Jésus-Christ est le seul, bien-aimé, qui fait du bien à l'homme. Mais lorsque tu te retrouves sur son chemin, tu es perdu. Tu vas voir le psychologue. Tu tournes en rond. Tes besoins qui s'élèvent. Tes comptes matrimoniaux. Bien-aimé, repentez-vous. Sortez de la séduction. Repentez-vous. Sortez de la séduction. Actuellement, on dit que le divorce est légal. Mon bien-aimé, ces choses-là, mes bien-aimés, ne sont pas dans le dictionnaire du Seigneur Jésus. Ces choses-là, bien-aimés, ne sont pas dans la loi de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dans les églises, on peut se voir la division, la séparation, on sépare des couples. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Dans les églises, on veut la promotion de l'adultère. On veut la promotion. Bien-aimé, de la publicité. Jésus-Christ n'aime pas ces choses. Toi qui vas dans ce genre d'église, toi qui es supposé coach, répands-toi. Répands-toi. Bien-aimé, toi qui t'es séduit toi-même. Tu te séduis toi-même. La Bible déclare que celui qui a la sagesse, c'est celui-là même qui marche sur la parole de Dieu. C'est celui-là même qui obéit à la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas encore commencé à faire ces choses, ne pense même pas que tu es sage mais pour enseigner les enfants de Dieu. Jésus-Christ ne tient pas ce matin. Jésus-Christ ne tient pas ce matin. Bien-aimé, peut-être que tu es là. Peut-être que tu as déjà inscrit dans ce genre de choses. Mais bien-aimé, ces personnes sont là pour détruire. Ils sont là pour détruire les familles. Ils sont là pour détruire les maisons. Bien-aimé, repentez-vous. Jésus-Christ a mis tout dans sa parole. Il a mis la sagesse dans sa parole. Il a mis l'intelligence dans sa parole. Il a mis la vie dans sa parole. Il y a de l'or dans sa parole. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus réellement pour que tu aies la vie éternelle. Accepte Jésus-Christ réellement pour que ton âme soit sauvée. Sortez de l'idolâtrie. Sortez, mes bien-aimés, de l'amour de l'argent. Sortez, mes bien-aimés, de l'amour de la gloire de ce monde. Repentez-vous. Repentez-vous. Mes bien-aimés, toi qui aimes qu'on t'applaudit, toi qui aimes la gloire de ce monde, bien-aimés, c'est ce que tu as eu là qui est là. Mais pour Dieu là, tu ne vas pas avoir. Parce que Jésus-Christ n'aime pas les orgueilleux. Jésus-Christ rabaisse celui qui s'élève.
Jésus-Christ diminue celui qui se lève. Toi qui es orgueilleux, réponds-toi. Jésus-Christ n'aime pas les orgueilleux. Toi qui aimes qu'on t'applaudisse. Même si tu as fait du bien à quelqu'un, tout le monde a sa voix. On a qu'à te dire parce que moi, partout où tu passes, oh lui là, il a fait ça. Mais bien aimé, c'est ce que tu as eu là qui est là. Pour Dieu là, tu ne vas pas avoir aussi. Parce que Dieu a dit, lorsque tu fais du bien, lorsque ta main droite a fait du bien, même ta main gauche, ta papa, ça va savoir. Si tu as fait du bien avec ta main droite, ta main gauche même ne va pas savoir. Tu aimes quoi passe les choses dans le secret. Mais toi qui aimes la gloire de seconde, toi qui aimes qu'on t'applaudisse lorsque tu fais du bien, tu as déjà eu ton salaire. Tu as déjà eu ta part. Mais pour Dieu là, tu n'as pas eu. Pour Dieu là, tu as lutté. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ encore t'appelle. Si tu as encore envie, c'est parce qu'il veut te sauver. Si tu respires encore, c'est parce qu'il veut te sauver. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est parce qu'il veut encore la chance de te repentir. C'est parce qu'il y a encore une la chance de te repentir. Les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà finis. Mais fais les belles. Regarde actuellement. On te parle de positivité. L'esprit de positivité. Bien aimé. Tu penses que les choses vont s'arranger. Détrompe-toi. Nous sommes dans le temps de la paix. Il n'y a rien qui peut s'arranger. Nous sommes dans le temps de la paix. Il n'y a rien qui peut s'arranger. Actuellement, Dieu est là, il peut nous aider. Tu dois accepter pour que ton âme soit sauvée. Si aussi l'Esprit de Dieu va avec ceux qui auront marché selon sa parole, ma belle-mère, tu seras perdu. Tu seras perdu. Jésus-Christ encore te t'appelle. Toi qui dois être en foi à ce genre de mensonge, l'esprit de positivité. Mais quelle abomination! Quelle manière d'endormir la conscience d'un homme! Jésus-Christ t'appelle. Celui qui donne mais la santé mentale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne la stabilité à un homme, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Confie ta vie en Jésus-Christ. Marche selon sa parole. Mon bien-aimé, elle sera remplie d'assurance. Marche selon la parole de Dieu, bien-aimé. Et tu seras rempli d'assurance. La Bible déclare que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas athée. Mon bien-aimé, regarde actuellement. Cette parole est déjà accomplie. Combien de jeunes qui tombent dans la drogue, dans la masturbation? Bien-aimé, dans les opérations, les gens veulent changer les seins, ils veulent changer leur corps, ils veulent changer leur nez. Tout ce qui est sur eux, ils veulent changer. Bien-aimé, mais toi, respecte, marche selon la parole de Dieu. Respecte, obéis seulement au conseil du Seigneur Jésus. Obéis seulement la parole de Dieu. Bien-aimé, obéis seulement la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on marche sur sa parole, on ne tombe pas comme ça. Lorsqu'on marche sur la parole de Dieu, on ne reste pas comme ça. Bien-aimé, car ce que Jésus-Christ nous a dit, ce que Jésus-Christ nous a promis, c'est le salut éternel. C'est la vie éternelle que Jésus-Christ a promis. C'est la vie éternelle que Jésus-Christ a promis. Mais bien-aimé, le Seigneur Jésus a mal. Bien-aimé, Dieu a mal. Lorsque ses enfants disent qu'ils le cherchent, mais seulement quand les choses se montrent. Ils le cherchent seulement quand les choses se montrent. Regarde l'évangile de la prospérité. Bien-aimé, ces choses ne peuvent pas voir le salut. Les choses ne peuvent pas voir le salut. Les choses, la bien-aimée,
Le peuple de Dieu veut le salut. On te parle de prospérité. Mais quand les gens te regardent, la Bible déclare que celui qui a les oreilles entend. Quand tu regardes l'esprit de positivité, et puis les l'évangile qui sont dans les églises, c'est le même esprit qui arrive. C'est le même esprit qui arrive. Allez seulement de prospérité. Vous êtes bien avec tout le monde. Laisse pas seulement le pays de le péché. Allez seulement, on va dire ça va aller. Quand je vois ton mari là, il est en Europe, c'est la diversité. Bien avec ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. La Bible déclare rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Mais elle cherche sa paix à Dieu. Cherche sa paix à Dieu. Bébé, cherche sa paix à Dieu. Demande-toi aujourd'hui si la gloire de te supporte. Devant le trône de Dieu, ta vie, que tu aurais vécu, qu'est-ce qui a été pour toi? Qu'est-ce que. C'est quoi Dieu peut aimer dans la vie que tu vis? C'est quoi que Dieu aime dans la vie que tu vis? Ma bien-aimée, c'est quoi que Dieu aime dans ta vie? Est-ce que tu cherches à plaire à Dieu? Est-ce que tu cherches la vie de Dieu? Est-ce que tu cherches à marcher tout le temps à la parole de Dieu? Tu ne veux pas demander, oh, j'ai eu 30 ans, j'ai 40 ans maintenant. Est-ce que les 40 ans de ma vie, est-ce que ça honorait Jésus? Est-ce que les 20 ans de ma vie, est-ce que ça honorait Jésus? Ma bien-aimée, pose-toi la bonne question. Pose-toi cette question-là. Tu as eu la chance d'avoir la citadelle. Tu as eu la chance d'avoir la société. Mais est-ce que c'est ce que Jésus-Christ t'a donné? Est-ce que tu as fait ce qui plaît à Dieu? Bien aimé, pose-toi la bonne question. Jésus-Christ est à la porte. Si tu n'as pas encore commencé à plaire à Jésus, tu peux encore commencer. Parce que tu es l'esprit. Réponds-toi. Si tu étais voleur, si pendant ces années, tu as passé à te masturber, tu as passé ton temps à escroquer, à tromper ton épouse, à avoir des enfants passés par là, mais bien aimé, tu peux encore ranger ta vie. Tu peux encore bien aimé accepter Jésus et changer ta manière de vivre. Tu peux encore plaire à Jésus lorsque tu vas pardonner ta mauvaise foi. Lorsque tu vas pardonner le péché, Jésus-Christ t'appelle. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Toi qui regardes les films pornographiques, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Les temps sont déjà finis. Quoi qu'il dit, on entend les gens dire, hey, c'est la médecine qu'on dit. Si on n'a pas couché un femme, on va tomber malade. Mon bien-aimé, si tu connaissais ce qui se passait en affaire, tu n'aurais pas joué avec ta vie. Si tu savais où Dieu jette ce genre de personnes, tu n'aurais pas joué avec ta femme. Bien-aimé, sans d'un raisonnement. Sans d'un raisonnement. Quand ma jeune soeur dit, hey, tout le monde a copé. Mais sur la tête, sort comme ça, elles envoient 5 000 francs. Elles ont 10 000. L'école, elles ont 20 000. L'école, elles ont 50 000. Moi aussi, là, ma belle aimée, si elle meurt, elle a le père. Parce qu'il n'y a pas de prostituée qui va au ciel. Il n'y a pas Pépé qui va au ciel. Il n'y a pas Jésus de Christ qui va au ciel. Ma bien-aimée, si tu as encore ces choses, réponds-toi. Toi qui dis que tu cherches Marie, aujourd'hui là, c'est Albert qui va dans ta maison.
demain c'est quoi Dieu? Après c'est quoi plus? Ma belle-mère, Dieu t'appelle prostituée. Repends-toi. Jésus-Christ n'aime pas ces choses. Jésus-Christ n'aime pas ces choses. Bien-aimé, toi ma soeur, tu vis dans le concubinage. Dans la Bible, il n'y a pas de concubinage dedans. Dans la Bible, il n'y a pas de concubinage dedans. Mariage, c'est Dieu qui a créé, ce n'est pas les gens. Mariage, c'est Dieu qui a établi, ce n'est pas un homme. Bien-aimé, si tu restes dans cette pratique, tu ne verras pas le ciel. Si tu restes dans le concubinage, tu ne verras pas le ciel. Mais bien-aimé, à travers ton enfant, comme encore là, c'est parce que tu es marié. Tu n'as pas le choix chez le monsieur. Mon mari, lui aussi là, ma femme, ma belle-mère, si vous mourrez dedans, vous n'allez jamais voir le ciel. Si vous mourrez dedans, vous n'allez jamais voir Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a instauré le mariage. Et celui qui n'est pas prêt à se marier, qui reste comme ça? C'est Dieu qui a mis le mariage. Ce n'est pas les hommes qui ont créé le mariage. Ce n'est pas les hommes qui ont créé le mariage. Ma belle-mère, ce n'est pas les hommes qui ont créé le mariage. Ma belle-mère, ce n'est pas les hommes qui ont créé le mariage. Toi qui forces, tu désobéis à Dieu. Jésus-Christ est tes pères. Jésus-Christ est tes pères. Marche sur la parole de Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Ma belle-mère, toi, qui marches avec des hommes, l'orgueil de monsieur a encore en ta vie, il a payé un appartement pour toi. Il paye tes études. Tes parents aussi, ils acceptent ces choses comme ça. Ma belle-mère, tes parents ne t'aiment pas. Hein? Si tes parents t'aimaient, ils allaient t'enseigner la parole de Dieu. Si tes parents t'aimaient, ils allaient t'enseigner même à garder ta virginité. Si tes parents t'aimaient, ils allaient t'enseigner à payer la voix de Dieu. Bien-aimé, toi, qui es un copain, parce qu'il y a ta famille, tu penses que tu as trop gagné. Comme peut-être il suffit à tes besoins. Je dois être la bénie. Et maintenant, si moi-même, le pasteur me prie pour ça. Ma belle, mais c'est moi qui t'en ai pour toi. Écris pour lui comme ça. On est déjà passé là-bas aussi. Oh, le monsieur, il est marié. Pasteur, si, oh, ma fille, Dieu va prier pour toi. Tu vas laisser sa femme pour te marier. Ma belle, mais toi qui me parles de la croix comme ça, réponds-toi. Tu es là, tu sais. Non, c'est mon père. Tu as voulu ces choses, répands-toi. Jésus-Christ n'aime pas ces choses. C'est pourquoi il t'appelle à la repentance. Toi, ma soeur, tu es en copinage avec quelqu'un, on t'appelle maîtresse. Ma belle, mais tu dois pas honte. Jésus-Christ n'aime pas ces choses-là. Si l'homme même commis, appuie pas les autres dieux. Si l'homme même critique ça, appuie pas les autres dieux. Jésus-Christ n'aime pas ces choses. Jésus-Christ n'aime pas ces choses. Regarde ce que le diable fait. Le diable sait que l'homme aime regarder son frère pour marcher. Le diable a envoyé ses stars. Les stars pour lui, le monsieur était marié à cause de n'importe quoi. Il laisse sa femme pour aller par adultère. Et l'adultère maintenant dans les yeux de tous les jeunes enfants. Et il regarde ça maintenant pour faire la touche. Et on voit des pasteurs de l'une de vous en agneau qui vont encore faire mariage d'adultère. Mais bien,
Jésus-Christ à la porte. Et toi qui vas manger l'église, toi qui enseignes ces choses, père, ce monsieur-là ne livre pas de Dieu. L'enseignement comme ça ne livre pas de Dieu. Père, l'enseignement ne livre pas de Dieu. Jésus-Christ est appelé. Le Seigneur Jésus-Christ est appelé. Père, le Seigneur Jésus-Christ est appelé. Tu vois le grand homme de Dieu. Comme tout le monde le connaît. Tu vas partir avec les grands hommes de Dieu de ce pays. On dit cela, oh, ils sont trop loin. Père, ils sont loin. Mais à quoi ils n'ont pas la pour Jésus là aussi. Ils sont bien remplis pour travailler pour Satan. Mais pour Dieu là, il n'y a rien de Dieu en eux. Il n'y a rien de lumière en eux. Père, mais Jésus-Christ est appelé. L'ennemi, c'est que tu regardes ton frère et si ma soeur a rasé Marie de quelqu'un, et puis ma soeur a venu faire malade de ça, c'est que ça me manque. C'est ça que le diable te présente, et puis tu as avalé. Mais Dieu te dit que ça, c'est une abomination. Toi qui veux ces choses, réponds-toi. Sinon, tu ne verras pas le ciel. Toi qui fais ces choses, ma belle, réponds-toi. Sinon, tu ne verras pas le ciel. Belle, toi qui as déjà fait ça, tu as parlé au mari de quelqu'un. Peut-être le monsieur était marié. Le monsieur a marié sa femme. Et il t'a connu. Il a péché avec toi. Belle, et tu as arraché le mari de la dame. Si tu es là, si tu m'entends, va restituer ce que tu as volé. Ma belle-mère, va restituer ce que tu as volé. Parce que la Bible déclare, aucun voleur ne veut être le homme des cieux. Aucune voleuse ne veut être le homme des cieux. Marie, là, tu as volé. Quand on vole à papa au ciel, quand le voleur à papa Dieu, ma belle-mère, toi, maman, tu as de ça. Tu as fait 15 ans de pratique, belle-mère. Va rendre Marie de la belle-mère. Parce que si tu es morte, tu ne l'as même pas le ciel. Tu ne l'as même pas le ciel. Parce que le monsieur a commis la tuerie avec toi. Parce que toi, le monsieur, vous avez péché. Belle-mère, Jésus-Christ est ta belle aujourd'hui. Jésus-Christ est ta belle aujourd'hui. Quand tu commis ces choses devant toi, tu dois supposer l'homme de Dieu. Toi, lui, déguisé en Dieu, tu divises les familles. Tu divises les familles. En toi-même, ta couple, monsieur a marié sa femme. Ils vivent ensemble. Parce que là-bas, il lui dit que, oh, ça, c'est pas la fin de ta destinée. C'est là. Là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Faut l'aider. Ma belle-mère, ma belle-mère, toi qui es en face de faire ces choses, toi qui veux laisser ta femme, parce que je suis posé sorcier, parce que nous te disons dans Dieu, Dieu te rendit, ma belle-mère, réponds-toi. Réponds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole, le malaise là, c'est jusqu'à la mort. Vous êtes prié jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Mon bien-aimé, toi qui fais ces choses, Jésus-Christ est ta peine. Parce qu'aucun adultère ne va être le homme des cieux. Aucun homme adultère, aucune femme adultère ne va être le homme des cieux.
Quand je dors, moi, le moment pasteur, moi, j'étais dans une église. En ce moment, je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Je connais dans l'église où maman pasteur a divorcé avec son mari. Elle a divorcé. Et puis elle a trompé. Je ne savais pas. Mais c'est au moment où Dieu voulait m'enlever là-bas. C'est ça que j'ai commencé à savoir. Parce que je suis un appareil. Mais je sais que quand tu veux donner exemple, quand tu veux dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. C'est que quand tu réfléchis, c'est ce que tu dis. Quand tu veux enseigner après le Dieu, c'est que ta vie, là, c'est conforme à ce que tu dis. Amen, amen. Ta force église. On voit le monsieur. Il divorce sa femme. Il va venir fraîchir. Même le pasteur communal. Aussi, je t'amène de montrer ce genre d'enseignement. Ma belle aimée, le thème c'est que si toi t'as vu que cela est bon, tu vas dire que c'est normal, tu vas faire. Et on voit des grands hommes de Dieu. Ici, divorcer les femmes. Pour les femmes, une jeune fille plus jeune que les femmes, pour aller marier. Mais bien aimé, Jésus-Christ n'est pas dans la séduction. Dieu n'est pas dans la séduction. Il vous est appelé aujourd'hui. Vous qui recevez ce genre d'enseignement, bien aimé. C'est de l'ensemble que vous vivez. C'est la mauvaise semence que vous attendez. Parce que bien aimé, ce jour-là, c'est le mot de Dieu, pas de Dieu. Ce jour-là, c'est le mot, bien aimé, ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est appelé. Si tu veux voir la piété de Dieu, obéissez-moi à voir de Dieu. Si tu veux voir sa vie éternelle, obéissez-moi à voir de Dieu. Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à ta peine. Le Seigneur Jésus-Christ est à ta peine. Toi, pasteur, tu couches avec tes fidèles. Repends-toi. Repends-toi. Toi, ma bien-aimée, tu couches avec ton pasteur. Tu penses que quand tu touches avec ma soeur, ta communication avec Dieu, c'est plus direct. Ma belle aimée, si vous devez vous mourir dedans, c'est dans le feu que Dieu va vous jeter. C'est dans le feu que Dieu va vous jeter. Belle aimée, je ne sais pas qui t'a reprouvé. Je ne sais pas qui t'a reprouvé. Toi, ma soeur, tu couches avec le pasteur, tu vas dans l'église là. Hey, pasteur, pasteur, c'est pas pasteur, y'a. Ils savent c'est quoi ils font. Bien aimé, ma soeur, toi qui as un rapport intime avec ton pasteur, réponds-toi. Le paradis dans la pierre, ce n'est pas la main du pasteur. Un pasteur qui t'amène à être adultère, un pasteur qui t'amène à pratiquer la prostitution, Père, mais il vient de Satan. Il vient de Satan. Jésus-Christ est un père. Toi qui pratiques ces choses, repends-toi. Toi qui pratiques ces choses, repends-toi. Père, je me rappelle un jour, à un de chacun de mes mots, j'ai vu des pyramides qui sont là pour évangéliser. Qui se prétendent chrétiens, qui sont allés pour juger avec des culottes. Des hommes qui ont porté culottes. Des jeunes filles qui ont porté collants avec pointu dessus. Et bien sûr, là, Jésus, Jésus, mais bien aimé. Toi, attends, c'est quoi?
Tu ne peux prononcer le nom de Jésus en vain. Ma belle aimée, je t'en supplie. Quand tu penses être prédicateur ou bien prédicatrice, quand tu as l'évangile de Jésus que tu viens prêcher là, toi aussi pas marcher selon ça aussi. Belle aimée, toi aussi pas marcher selon la parole de Dieu. Peut-être que quand même ta vie soit un exemple. Peut-être que quand même ta vie soit un exemple. Ma bien-aimée, je vais t'expliquer quelque chose. Avant que je le dise, j'étais en femme. Et souvent, quand les parents montaient, souvent quand les parents montaient, étant enfant, j'étais dépassé. Je n'ai dépassé le voile que mes parents montaient. Parce que quelqu'un qui doit donner l'éducation, quelqu'un qui a donné des sons, il doit vraiment donner un bon exemple. Mon bien-aimé, mais quand tu fais ça, les gens te regardent. Quand tu parles que tu es chrétien, combien tu sors par l'évangélisé? On te voit. Tu veux évangéliser. Et puis, après, parmi ceux qui t'ont vu évangéliser, ils te voient la vraie volonté. Parmi ceux qui t'ont vu évangéliser, ils te voient rentrer dans la grande fille. Tu veux te voir dans le couloir, papa m'a placé des femmes. Bien aimé, c'est le nom de qui t'a gâté. C'est le père de ton père que tu sors pour les prêcher. C'est le père de ton père pour l'homme de ton père pour Dieu que tu sors pour le prêcher. C'est le nom de Jésus que tu sors pour le prêcher. Et lorsque tu sors pour aller parler de Jésus, pour que quoi ta vie soit exemple. Dans le corps de ton comportement, ta personne n'a jamais cru en Jésus. Parce qu'ils se disent, si c'est pour s'habiller comme des poutres, si c'est pour s'habiller comme des proxénètes, et puis ils disent que ce sont les collègues de Jésus là. C'est quand Jésus là, c'est bon. Si ça vous a prié pour exhiber le corps de l'homme, et puis ils disent que là, Dieu là, c'est plus bon que pour nous là. C'est quand c'est bon. Si ça m'en est prêché Jésus, et puis pour aller dans l'hôtel, et puis ton voisin qui voulait changer sa vie pour se convertir là, et puis il a vu ça. Mon bien-aimé, tu ne pourras pas se convertir. Quand tu sors, si tu parles de Jésus, sois exemple. Jésus lui a dit sa parole. Sois pas pressé pour enseigner. Comment t'es pressé pour enseigner? On voit les jeunes là se promènent avec deux glosses. Ils se promènent avec deux dons. Et puis tu la vois, parce que tu as ouvert les yeux, une fois seulement, ils sont venus par la connaissance, ils sont devenus pasteurs. Ils sont devenus pasteurs. En tout cas, on a beaucoup de promesses aujourd'hui là. Et ma soeur, elle était mariée. Ma soeur était là. En tout cas, est partie dans l'hôtel avec les jeunes filles. Mais si quelqu'un voulait se convertir, il dit, oh, lui là, on dit, il est devenu pasteur. Mais quand il rentre en marche, il regarde ta manière de faire, mon bien-aimé. Il ne peut pas se convertir. Et, dis-toi que Jésus-Christ va te demander la compte. Parce que tu as porté son nom en vain. Parce que tu as porté le nom de Jésus en vain. Tu n'as pas prétendu que tu es pasteur. Tu n'as pas prétendu que tu es enfant de Dieu. Pourtant, à cause de ton comportement, tu n'as même pas pu avoir quelqu'un à se donner à Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ te demandera le compte. Il dit, ne sois pas pressé pour enseigner. Parce que la même mesure que tu vas mesurer, c'est avec ça que tu vas te mesurer. Bien-aimé, le même propos que tu vas parler, si toi tu veux t'asseoir, tu veux t'arrêter pour te marcher, tu vas parler. Mas
n'aime pas. Toi aussi, la rebelle des gars. C'est quoi, tu dis que tu acceptes Jésus. Quand tu vas à l'église, tu pries pour les malades, tu as rempli l'onction. Jusqu'à là, tu vas professer à l'église. Sois exemple. Sois exemple. Sois exemple. Bien aimé, la seule prostituée, quelqu'un qui va pousser un garçon sans l'église. Dimanche matin, qui a quitté la maison, pour aller s'asseoir à l'église, pour donner prophétie là. C'est pas pour Dieu là aussi. Ma belle-mère, une femme qui sort dans le temps, toute la semaine, elle va t'appeler. Tu appelles le lien. Dimanche là, tu appelles le week-end. Jusqu'à tu t'en oublié. On dit tout le temps, tu appelles le week-end. Dis-le, dimanche, tu es là-bas. Tu vas venir t'asseoir à l'église. Pour lire aussi par l'éternel. Ma belle-mère, c'est pas pour Dieu là aussi. Quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu dis que tu acceptes Jésus là, c'est le nom de Jésus que tu peux te promener. C'est le nom de Jésus que tu peux te promener. Même quand tu as fait le mal à quelqu'un, on va dire que c'est encore le colonel à la tête du mal. On va dire que c'est le sel. C'est le sel. Sois exemple, mon bel-aimé. Si tu prétends que tu acceptes Jésus, sois exemple. Si tu dis que tu aimes Jésus, sois exemple. Bel-aimé, parce qu'après ta marche, quelqu'un peut être converti. Après ta marche, quelqu'un peut être converti. Par exemple, je vais te dire, je prononce le nom de Jésus. Mais je n'étais pas chrétienne. Je prononce le nom de Jésus. Si tu me vois, avec une nuit, et puis elle disait qu'elle est chrétienne, avec mèche, pas homme, et puis je disais que je suis chrétienne, de copains en copains, comme toi, tu me vois tes dents. De copains en copains, comme toi, tu me vois tes dents. Quand tu es là, comme toi, à te montrer tes dents. Tu penses que tu es chrétienne, ma belle-aimée, mais lorsqu'on acceptait Jésus réellement, lorsque je l'ai accepté, parce qu'avant je ne l'avais pas accepté, lorsque je l'ai accepté, j'ai abandonné tout. Et quand je disais, quand j'ai commencé à évangéliser pour dire que mon frère, sort du copinage, moi je n'étais pas dedans. Quand je suis là pour dire que ma soeur, sort du copinage, moi je n'étais plus dedans. Ma belle-mère, repends-toi. Si tu dis que tu es chrétien, sois exemple. Si tu dis que tu es chrétien, sois exemple. Belle-mère, on va les filles. Allez évangéliser avec minutieux. Les femmes, allez évangéliser avec pantalon. L'effet s'est serré dedans comme ça. C'est quoi ça? Est-ce que Jésus-Christ t'a dit de t'appeler comme ça, papa? Parce que Jésus-Christ prend plaisir lorsqu'il te voit. Mais le mec, tu salis le nom de Jésus. Tu salis son nom parce que tu ne veux pas les hommes de son nom. Tu prends son nom en paix. Tu prends son nom en paix. Tu vas le faire avec des mèches. Tu vas maquillage même sur le visage. Déguiser la silence des gens et ils vont venir s'arrêter sur la chair pour prêcher, pour prier sur les gens, pour communiquer l'esprit de Jézabel. Ma bien-aimée, repends-toi, ma soeur, repends-toi. Ce n'est pas avec ton intelligence que tu vas parler de Dieu. Ce n'est pas avec ton intelligence que tu vas parler de Dieu. La Bible déclare que l'homme qui se dit qu'il est intelligent, qu'il soit fou. Ma
homme qui se dit qu'il est sage, qu'il sort tout. Ma bien-aimée, ce n'est pas avec l'intelligence que tu vas payer le moins pour Dieu. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en marchant selon sa parole que tu pourras faire son œuvre. Ma belle-mère, réponds-toi. Réponds-toi pour que tu aies la vie éternelle. Réponds-toi pour que ton âme soit sauvée. Réponds-toi, ma soeur. Maman pasteur, réponds-toi. Maman pasteur, réponds-toi. Bien-aimé, répondez-vous. C'est pas parce que ton mari est pasteur que toi aussi tu vas venir à la chair pour venir faire grimace. Ma bien-aimée, c'est pas parce que ton mari est pasteur que tu vas venir à la chair pour venir pratiquer tes grimaces. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimé, regarde les apôtres. Quand tu as appelé les apôtres, il y a aussi les femmes. Dieu lui-même qui t'a créé. Dieu lui-même, comment vous dites que vous le suivez là? Sa parole là, vous ne mettez même pas en pratique. Oh Jésus, Jésus de la nouvelle porte. Mais bien-aimé, répondez-vous. Dieu là, il n'a pas changé. Il n'y a pas la mort de Jésus. Il n'y a pas la mort de Jésus. Il n'y a pas de nouveau Jésus. Il n'y a pas de nouvelle manière d'adorer Jésus. Jésus-Christ est l'ancien des jours. C'est pourquoi, ma soeur, si Dieu a appelé ton mari, ce que tu dois faire, rester dans le silence pour intercéder pour lui, pour ne pas que se détourne de la gloire de Dieu. Si Dieu a appelé ton mari, ta femme, reste dans le silence et intercède pour ton mari. Toi aussi, sois exempt. Il va te sauver. Tout ce que Dieu a créé, en ce qui concerne hommes, femmes, grands, petits, chacun de vous va comparer devant le tribunal des Christ. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il dit le réservé aux hommes de mourir chaque fois, c'est écrit dans le livre d'Hébreux. La mort te guette. La mort t'attend. Mais tu dois te préparer. La mort, elle n'est pas mauvaise en tant que telle. La mort, elle n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose. Quand tu as Jésus, la mort est très, très, très intéressante. La mort, c'est la séparation du corps avec l'âme. Et tu vas goûter ça un jour. Un jour, tu vas mourir. Mais tu dois préparer ta mort. Comment tu prépares ta mort? Un jour, tu dois
Jésus. On dit que Jésus dit il revient bientôt, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu. Jésus là-bas, il vient quand? C'est devenu, comme on appelle, du théâtre. D'accord, je peux dire que Jésus va pas venir te trouver. Moi, je crois qu'il vient, je l'attends. Et si toi, tu meurs avant le retour de Jésus, où est-ce que tu vas partir? C'est pour cela que nous sommes là. La Bible déclare que si tu sais faire le bien que tu ne sais pas, c'est un péché. Comme nous savons que il est réservé aux hommes de mourir cette fois, nous savons que la mort t'attend. Nous savons que très bientôt, tu vas partir. Et tu n'es pas prêt, on est venu t'annoncer que tu dois te préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer pour la rencontre de ton Créateur. Que tu le veux ou pas, il y a un enfer et il y a un paradis. Le paradis, c'est la terreur de Dieu. C'est là où Dieu est. Celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, celui qui a créé toutes choses. Il a une habitation, il a un lieu où il réside. C'est son lieu, c'est la terreur là qu'on appelle paradis. Et toute créature doit retourner vers son créateur. Tu dois aller là-bas au paradis. Oh, c'est tellement merveilleux. Là-bas, il y a de l'or. Regarde comment des fois les empereurs souffrent. Ça va créer de l'or. Nous faisons petit niveau pour avoir de l'argent. Mais au ciel, là, tu vas marcher sur de l'or. N'est-ce pas merveilleux, la femme Jésus? Tu vas marcher sur de l'or. Mais pour aller au ciel, tu es conditionné. Il faudrait que tu abandonnes ton péché. Il faudrait que tu laisses la perversité. Il faudrait que tu laisses la sexualité. Il faudrait que tu saches. Et puis, dans cette dernière-là, j'ai remarqué les hommes portent beaucoup de culottes pour se promener dans la rue. Pourquoi vous portez culottes pour vous promener dans la rue? La culotte, elle se profite dans la chambre avec vos femmes. Tu as une culotte, tu te promènes dans la rue. Tu penses que tu es bien habillé comme ça? Arrêtez de porter culottes, les femmes! C'est un péché. Ça va l'unité. Peut-être que ça va vous choquer. Hier, j'ai vu un homme. Oh, la culotte, là, le serait. Tout était dehors. Et il mentait aux gens. Il a traversé toute la rue, toute la ville, en culotte. Il est nu. Sa partie est dit, mais dehors. Pourquoi vous êtes en culotte? Pourquoi vous portez culotte? Vous dites, il fait chaud. Ça va, ça vous portez culotte à l'enfer, vous attend. Il y a une chose de moment. Est-ce que les certains points, il y a des bouches qui sont en culotte parce qu'il fait chaud. Alors mon frère, ma soeur, refuse de s'habiller et regarder les femmes arabiennes. Est-ce qu'il ne fait pas chaud? Les femmes là, elles respectent leur Dieu. Ma mère, leur Dieu n'est pas le frère, elle est prédit de trouver dans leur Dieu. Elles sont foirées, bien habillées. Et fou, vous êtes en culotte. Vous promenez dans la ville, en pleine ville comme ça. C'est une malédiction. C'est la dépravation. Je vais aller loin, c'est la sorcellerie. Vous avez tellement lutté à votre petit frère, à votre petite soeur. Ce qui habille les femmes. Vous êtes en mini-jupe. Quand les gens tombent demain, ils vont s'abaisser pour prendre. Elles sont nues. Et puis ce qui ne fait pas, elles se disent habillées comme ça pour marcher. Hey, mon père est chaud. Pourquoi vous pensez habillées nues? Vous avez porté le mini, et puis vous avez tapé la vie là. Quand il est fini dans la lumière, vous ne pouvez pas payer deux morceaux de paille. Vous faites une belle robe, vous marchez dans la rue. C'est une malédiction. Habillez-vous bien. On sait que tout le monde est chrétien maintenant, c'est ce qu'on est venu vous dire. On est venu dire aux femmes de bien s'habiller. Quand vous êtes approché d'elle, elle m'a dit que je vais à l'église. Je suis chrétien, et puis c'est qui est mauvais, je chante à l'église. Il s'agit de quelle église? Les femmes chantent à l'église en mini. Elle chante à l'église avec un caoutchouc. Comme on avait le cerveau de l'âme de poids. On avait les veillants. Ça y est sur leur tête. Dieu les a créés. Dieu les a mal créés. Elle ne s'aime pas. Elle ne se suffit pas. Alors que la Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même. Vous refusez de vous aimer. Et qui va vous aimer? Comme tu sens que tu n'es pas aimé, tu es obligé de peindre ton visage. Comme tu sens que tu n'es pas aimé, tu es obligé de marcher dans la rue pour que les hommes fassent des fesses. Pour qu'on sache que tu as une belle femme. Quand tu refuses de t'aimer, maintenant tu portes un caoutchouc, tu fais un jus. Quand on pète tes cheveux, moi j'ai un cheveu blanc. Moi j'ai un cheveu rouge, moi j'ai un cheveu jaune. Vous avez un frère à la loi. Vous avez péché comme un créateur. Femme à Dieu, répandez-vous. Demandez pardon à votre Dieu. Vous vous mettez nu, vous dites qu'il fait chaud, non? Il va plus chaud que l'enfer. L'enfer est brûlant. C'est du feu généreux.
Mets ta main sur ta tête, la Bible déclare. Lui-même, là, il va enlever tes mains. Donnez vos vies à Jésus. On ne fait pas même visite, maman, là, je suis fatigué de voir même l'unité. Vous promenez lui dans la rue. À pied ou bien. Dieu est fatigué de voir l'histoire. Venez le voir. Vous vous interpellez. Dieu nous envoie. Vous vous dites que ce n'est pas normal qu'il va avoir laissé paille. Il va laisser pichet. Il va laisser robe. Il va laisser jupe. Pour porter un pantalon. Pour monter sa petite épine. Et ça, mon femme. C'est dégoûtant. Quand tu sois des pantalons. Pantalon femme. Pantalon garçon. Pantalon, c'est dégoûtant. Ça dégoûte Dieu. Changez la vie. Changez la manière de vous habiller. Là, il n'est pas fini d'habiller. Si je n'ai pas fini d'habiller, quelqu'un vous a pris le bien de vous habiller normalement. Dieu est contre ça. Dieu est envers votre vie. Dieu est envers vous interpeller. Changer de vie. Tout le monde va à l'église. On n'a pas besoin de vous parler de Jean 3:16. Dieu a tellement aimé le monde. Il a appelé Jésus. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. D'accord. Nous voulons qu'on vous parle de l'amour de Jésus. Mais vous refusez d'obéir à la parole de Dieu. Vous refusez de marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu, dans les Ecclésiens, et on sait ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Même Dieu était de voir. On savait les commandements de l'Éternel était de voir. Vous refusez de marcher selon la parole de Dieu. Mais dimanche, vous êtes dans les églises avec vos pantalons. Vous êtes dans les églises avec vos mèches. Vous êtes dans les églises avec vos pommes de corps. Vous êtes dans les églises avec vos rouges en lèvres. Vous êtes transformé, on dirait des caméléons, sans que vous enlevez les peaux. Et dans deux couillons maintenant, Dieu t'a crié, non, tu n'es pas satisfait. Dieu t'a donné une belle peau, tu es fidèle. Regarde le soleil d'Abigan, regarde le soleil est tape maintenant, elle transpire, elle refuse d'écouter la parole de Dieu. Quand tu les arrêtes, elle dit il fait chaud, tu n'as rien vu encore, tu sois plus chaud à l'enfer. L'enfer est plus loin. Cessez de vous commander de changer votre peau. Dieu t'a créé, il t'a créé. Tu n'as pas à corriger Dieu. Tu n'as pas à te soumettre au contrôle ton créateur. Repentez-vous. Jésus va venir. Si Jésus n'est pas venu, plutôt tu peux le trouver là-bas. Comment tu vas faire? Quel raisonnement tu as donné devant le roi de gloire? Tu as écouté la parole. Tu as écouté l'évangile. La Bible déclare que sans la sanctification, nous devenons le Seigneur. Dieu t'a créé tes hommes dans son noir noir. Tu as obligé de mettre vernis. Tu as obligé de mettre vernis rouge à lèvres, rouge à ombre, rouge je ne sais quoi. Pourquoi tu te transformes? Pourquoi même tu rentres à toi-même là? Ça ne te fait pas honte. Dieu ne sait rien faire. Il t'a mal créé. Et tu as fait le corriger Dieu. Tout le monde a leurs pieds sont loin de la maison, obligés de monter. Parce que leur maître Satan a dit exposez votre unité. Pour monter votre unité à vos petits frères, à vos petites soeurs. Répandez-vous. Répandez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Allez à l'église, ne me pas dire qu'il faut faire sa volonté. Quand on va les chapeler dans leurs mains. Avec leur make-up, avec leur mèche, avec leur pantalon, avec leur rouge à lèvres, avec leur zélie à ombre. Si tu les vois, au pied des cerveaux, tu tombes. Mais ta sang, la chapelet dans leur main. Tu es tellement amour. Il va te laisser comme ça, toute ta vie. Il y a un enfer. Il y a un enfer, il y a un jugement. Il y a la marque du ciel. C'est la marque du ciel, on appelle l'enfer. Il y a un effet du ciel. Un jugement t'attend, un jugement terrible, un jugement qui ne t'attendait même pas. Tout le monde quand il meurt, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils demandent où je suis. Les mots bien irritants. Ils disent c'est moi le démon de pantalon. C'est moi qui devais porter le pantalon quand tu étais sur la terre à femme. Avant de porter le pantalon, il y a des jupes en bidon. Fais parler de porter culotte, il y a des jupes en bidon. Oh, ce qui est promis, c'est le Coran. Tout est parti, elle dit dans le dehors. Tout est parti, elle dit dans le dehors.
c'est pour vous-même. David n'a pas déclaré que les montagnes n'iront pas au ciel. Jéricho, tu as mis combat, tu es loin. Et puis tu as mis combat pour devenir clair là. C'est ta foi. Oh, tu n'as pas dit que les montagnes n'iront pas au ciel. Quand tu as mis ta foi, tu as mon âge. Tu as 60 ans. Et puis on te voit, on dirait que tu as 40 ans. C'est ta dimension seule. Et tu vas dans les églises pour honorer les pasteurs. Tu peux te venir pour t'asseoir demain. Puis c'est lui, pour mardi. Dieu t'entend. Tu as porté la vie des saints au dehors. Quand tu penses que c'est sous prière, tu as besoin de faire comme ça. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Il y a un jugement. Dieu t'entend. Préparez-vous. Habillez-vous normalement. Je sais que vous êtes chrétienne. Vous chantez dans les églises. À l'élève que vous aviez au bougie. À vos mécans. Répondez-vous, Jésus arrive. Répondez-vous, Jésus arrive. Répondez-vous, Jésus arrive. Il est venu pour compter lui cinq fois. Et toi, Jésus arrive. Jésus arrive, répond-toi. Tu as dit ça, il a parlé. Quand tu peux pas entendre l'évangile, tu as mis ton cheveu. On n'a pas la chance. Ou bien, tu sais pas ce que tu entends. Ton cheveu. Pourtant, il y a trois cheveux sur ta tête. Il y a même pas dans ton visage. Il y a un lien à homme. Répondez-vous. Elles sont en direct, elles sont des femmes blanches, cheveux derrière. Elles tournent la tête ici, elles tournent la tête ici, elles tournent la tête ici. Tu es une menteuse, est-ce que tu es blanche? Tu as mis pour mal pour lever ta peau, est-ce que tu es blanche? Tu es une menteuse, réponds-toi. Garde ta peau naturelle. Jésus revient bientôt, garde ta peau naturelle. Jésus revient bientôt, garde ta peau naturelle. Les hommes sont fatigués, la mauvaise odeur. Les hommes sont fatigués, les bonnes douleurs sont fatigués, les bonnes mécons. Jésus même est fatigué. Il nous a envoyé vous dire, quand vous devez abandonner ces choses, repentez-vous, changez de vie. Parce que Jésus arrive, changez de vie. Le roi des nations arrive, changez de vie. Le roi des mains arrive. Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu des Juifs. Le Dieu sacré des hébreux, celui qui t'a créé, celui qui vient bientôt, celui qui a mort à la croix pour toi, ce sont les versets pour toi. Si tu acceptes Jésus, ce sang va te laver, tu n'as plus fait des cauchemars. Si tu acceptes Jésus, ce sang va te laver, tu n'as plus menti, tu n'as plus fait mes corps. Repentez-vous, venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus. Laisse-moi dans l'avantage. Malheureusement, même là, s'il avait l'argent là, il n'allait pas s'asseoir dans petite maison qui sent mauvais. Le monsieur assis dans petite maison qui sent mauvais. Et puis tu t'appelles comme ça, tu ne peux pas faire ça, tu t'appelles dans cette maison. Tu t'en vas le voir, donne-moi le bonheur. Qui t'a dit là, le bonheur? Le bonheur, c'est plus en Jésus. Tu lui donnes l'argent cadeau. Qui t'a dit le malheureux le bonheur? Le sorcier qui a fait, il souffre. Il a besoin de paix. Le sorcier a besoin de joie aussi. Tu le vas, tu lui donnes au moins 100 000. Et puis il dit, tu vas avoir des millions. Quoi qu'il ait fait, il a payé son âme. Il a payé ton âme. Il a payé ton âme. Il a payé ton âme. Tu descends à l'enfer avec ton marabout. C'est de ce marabout dans la vie de l'État. Celui qui ne travaille pas dans la joie. Tu dois travailler. Lui, manger la sueur de ton front. C'est ce que la Bible a dit. Pourquoi tu vas avoir un marabout? Pour qu'il te donne l'argent. Pourquoi tu vas avoir un féticheur? Pour qu'il te donne l'argent. Pourquoi tu vas avoir un sorcier? Pour qu'il tue ton prochain. Tu as arraché Marie des autres. Voleuse de Marie. Prépare-toi. Tu vas voir marabout. Tu vas voir enfin des gens. C'est la marabout. Pour qui t'aime. C'est pas toi, amour. Amour à Dieu, tu n'es pas le Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi-vous. Vous les femmes. Vous êtes devenus des sorcières. Vous êtes enfumé les hommes. Quand ils vous envoient la Marie là. Pour avoir la Marie, Marie a été gâtée. Ça ne te fait pas mal. Personne n'est vilain, Dieu nous a créé, nous sommes une belle créature. Mais pourquoi tu attaches l'enfant des gens? Pourquoi tu vas voir les marabouts? Pour attraper l'homme du monsieur dans une bouteille. Et tu vas faire, il va faire ta volonté. C'est Dieu pour qu'on voit ta volonté et ton besoin. Sors de l'église, répondez-vous. Cessez d'aller voir les marabouts. Cessez d'aller voir les sorciers. La terre ne se coupe pas sur la marabouts.
maison. De plus en plus, quand j'ai connu ce tabou-là, il a dit on dirait 6 ans. Et un jour, je pensais, Dieu m'a mis à cœur de lui parler de moi. Dieu m'a mis à cœur de parler de Jésus de Nazareth à ce marabout, ce grand marabout, son salaire est rempli. Quand il avait à Jumon, il a amené ses fauteuils à cause du monde. J'ai présenté Jésus à ce marabout. Le marabout est assis. Il dit, toute la nuit, tout le pouvoir que j'ai là, je le connais aux gens. Et marabout te donne son pouvoir et à que. Je donnais tout mon pouvoir aux gens. Donc, pardon. Parce que je te vois là. Pourquoi il y a pas là et trop. Il faut prier pour moi. Ça va remplacer le pouvoir. Oh, donc, Dieu était Dieu puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Est-ce que c'est le pouvoir que tu as besoin? Tu as besoin de puissant qui est à Jésus. Ah, je dis, c'est tout le vrai Yupi, ne va pas voir Marabout pour attacher à nous les gens, pour avoir pour mari. C'est Jésus, c'est tout le vrai Yupi, Dieu parle à Jésus, Dieu, lui te posterait devant le créateur, qui s'est de la terre, pour changer le cœur de ton mari. Tu vas changer le cœur de ton mari, 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 sorcier, sorcier, mais il ne sait rien faire. Dans ta vie, à Jésus, va résoudre tes problèmes. Il a la solution de tout problème. Il a résolu le problème. Il s'est occupé de moi. Lui, il peut sauver moi. Et il peut prendre soin de toi aussi. Mais viens à lui. Viens à lui comme un petit enfant. Jette tout ce que tu as. Et ce type ne pourra rien faire. Rigui en bas de ton lit ne pourra rien faire. Quand je fais cela, je n'ai rien eu. Car rien ne meurt. Quand tu viens à Jésus, quand la vie ne peut rien faire. Marabout ne peut pas t'aider. Lui-même, il se cherche. J'ai rencontré un monsieur qui rendait un témoignage. Le monsieur dit que ceux qui portent les chers le pied, les terres le pied, quand ils attendent, venu sans le savoir, cessez d'entourer le venu. Cessez de mettre les chers le pied, les terres le pied, les terres dans les reins. Tu es fatigué de ces choses. Repentez-vous. Repentez-vous. Avant, chez le pied, dès le pied, ce sont les lesbiennes. Maintenant, tout fait, donc, on vous voit. Tu veux mon regard. Tente ma vie à Jésus. Tente ma vie à Jésus, repentez-vous. Repentez-vous, tous les coups de l'eau. La tombe va bientôt sonner. Jésus va venir nous enlever. La tombe va bientôt sonner. Est-ce que tu seras parmi les enlevés? Est-ce que tu seras parmi les élus? Est-ce que tu seras parmi les choisis? Jésus arrive. Fais la paix avec ton créateur. Abandonne les féticheurs. Abandonne ton marabout. Fais la paix avec ton créateur. Abandonne les vieux-temps. Abandonne les papillons. Abandonne tout ce qui est mauvais. Lui, réponds-toi. Débarrasse-toi du mensonge. Tu es devant la pharmacie de la vie. La tenue de Jésus avec beaucoup. Non. Ça fait pitié. Abandonne le mensonge. Abandonne le mensonge. C'est ce mensonge, les mensonges qui ne vont pas au ciel. C'est écrit. Et je t'en ai riche, et je t'en ai riche, est venu vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, comment je vais faire parler au ciel? Le Seigneur a dit, ma fille, ne va pas voler, ne commet pas à dire. Il dit, je fais tout ça. Le Seigneur lui a dit, va vendre tes pieds. Fais ce que tu as. Le mensonge va partir de tes pieds. Le mensonge va partir de ton héritage. Fais ce que tu as. Fais les pantalons. Fais les mèches. Fais les rouges. Fais les chaînes en diamant. Les chaînes en or. Fais les chiens en enchaîne. Fais les prisonniers en enchaîne. Tu n'es pas un chien pour que tu sois enchaîné. La symbolique, si tu sais pas. Je crois qu'un chien le coup. J'ai voulu de moi la six prisonniers. Je suis prisonnier et sa femme. Je suis esclave du diable. Oh, que le Seigneur ouvre vos yeux. Pour vous comprenez la réalité, que vous comprenez la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. C'est la parole qui s'est fait chair. Jésus est Dieu. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Et il est venu dans la chair pour vous sauver. Accepter le salut. Tu dis de venir à l'église, mais tu ne changes jamais. Tu dis de venir à l'église, mais tu as mon enfant sur la tête. Maman, c'est les mèches vertes.
les mèches blancs, qui sont les couleurs, couleurs. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Pourquoi tu t'aimes pas toi-même? Tu es sûr ton créateur. Tu dis que tu n'as pas bien créé. Moi là, je ne suis pas joli. Et tu t'as fait plein. Que dans ces parfums de fou, est-ce que tu es fou? Qui est ton folle? C'est la foule qui est créée de la tête. Répondez-vous. Répondez-vous. Répondez-vous de votre foyer et revenez à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez compris. Et vous allez changer de vie. Vous allez changer de comportement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et le monsieur va te faire voir. Je vais te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te parler de ce Dieu merveilleux qui t'a tant aimé, qui t'a tellement aimé jusqu'à mourir pour toi. Et avec tu le sais en vérité, même ta femme ne te donne l'amour que Dieu te donne. Même ton mari ne te donne l'amour que Dieu te donne. Personne n'a pas soin de toi comme ce que Dieu fait. Il y en a un qui sait que Jésus t'aime. Tu sais qu'il a payé le prix que personne n'a payé pour toi. Tu sais qu'il a souffert à la croix de Golgotha pour toi et moi. Tu sais qu'il a fait cela pour qu'un jour, bien-aimé, tu connaisses son témoignage et que tu lui donnes ta vie. S'il est mort, bien-aimé, c'est par amour pour toi. S'il a souffert à la croix, bien-aimé, c'est par amour pour toi. S'ils ont blessé, bien-aimé, c'est par amour pour toi. S'ils ont percé son côté et le sang et l'eau jaillit, bien-aimé, c'est par amour pour toi. S'ils ont percé ses mains à la croix, bien-aimé, c'est par amour pour toi. Bien-aimé, s'ils ont percé ses pieds, c'est par amour pour toi. Bien-aimé, si sur sa tête, ils ont mis sa couronne de poule, bien-aimé, qui a transpercé sa chair, bien-aimé, c'est par amour pour toi. Il a fait cela parce qu'il s'est cru. Mon enfant vit encore. Il faut que je meure pour lui à la croix. Il faut que je porte sa souffrance. Il faut que je porte sa blessure. Il faut que je porte sa douleur. Il faut que je meure à la croix pour que mon enfant, par mon sacrifice, donne sa vie en mon nom et obtient la vie éternelle. Bien, à qui tu crois? À qui as-tu mis ta confiance? C'est lui qui a fait ton créateur. Il a dit à sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Jésus te dit encore sur la terre. Bien, maintenant que tu as oublié, il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Quel chemin tu as pris de Dieu? 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 C'est ce chemin-là, ne s'appelle pas Jésus, Dieu, qui t'a toujours de l'aventure. C'est ce chemin que tu as pris de Dieu, ne s'appelle pas Jésus, qui t'a toujours de l'aventure. Dieu, tu le sais. Jésus dit, après la mort, viens le jugement.
Parce que le monde ne sait que nous attaquer à
de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimé, comme vous l'avez entendu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom à toi, qui es en ce lieu. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimé, que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce jour. Que l'éternel Dieu des armées, que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, frappe autour de vous tout au long de ce jour. Bien-aimé, que le Seigneur garde votre pas et qu'il garde votre arrivée. Bien-aimé, comme vous l'avez entendu, encore mes bien-aimés frères, un chien de la foi, sont venus encore prêcher l'évangile de paix. Bien-aimé, juste encore pour te rappeler, pour toi qui es en ce lieu, que nous ne sommes pas venus. Bien-aimé, parce que nous n'avons rien à faire. Nous ne sommes pas en ce lieu parce que nous n'arrivons pas à manger. Nous ne sommes pas en ce lieu, bien-aimé, parce que nous sommes venus demander de l'argent à quelqu'un. Mais nous sommes en ce lieu parce que, bien-aimé, comme la faute pas pouvait le dire, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Malheur à nous si nous ne prêchons pas la paix. Malheur à nous si nous, bien-aimés, ne parlons pas, oh bien-aimés, des choses à venir. Malheur à nous, bien-aimés, si nous ne parlons pas de la prédication de la croix. Il s'agit là de quoi, bien-aimés? Il s'agit là de dire à toi qui es en ce lieu. Il s'agit là de dire à toi qui m'attends. Oh bien-aimé, qu'après ta mort, bien-aimé, tu seras jugé. Il s'agit là de te dire, bien-aimé, qu'après ta mort, bien-aimé, tu seras jugé. Mais est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, est-ce que tu te souviens que tu vas mourir? Est-ce que tu penses que tu vas mourir? Est-ce que tu sais qu'après ta mort, tu seras jugé? Pour toi, bien-aimé, tu te glorifies dans le péché. Pour toi, bien-aimé, tu te moques de Dieu. Pour toi, bien-aimé, qui as rejeté la connaissance. Pour toi, bien-aimé, tu te moques de Dieu. Pour toi, tu passes ton temps à t'amuser. Pour toi, tu passes ton temps à chercher les copines, à chercher les copains. Pour toi, tu passes ton temps à regarder le football, tu n'as pas le temps de Dieu. Pour toi qui prends ton travail comme il te inouïe dans la vie, pour toi qui n'as même pas le temps de méditer la parole de Dieu, pour toi qui n'as même pas le temps de chercher Dieu en esprit, en vérité, pour toi qui adore le péché, pour toi qui te dis que c'est, pour toi qui te dis que tout chemin mène au ciel, pour toi qui te dis que c'est sans péché, pour toi, tu te dis, oh, tu as rendez-vous demain, tu as rendez-vous après demain, tu as rendez-vous dans un mois, sans pourtant chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Toi qui te dis, tu es chrétien, que tu es déjà sauvé, est-ce que tu es sûr que tu es déjà sauvé? Pour toi, aujourd'hui, tu as un jour le week-end, tu dois avoir ton repère, tu dois avoir ta copine. Pour toi, tu profites de week-end pour aller en visite à ton copain ou à ta copine ou au bord de la part ou au bord de la cave. Pour toi, dans tes temps libres, au lieu de chercher Dieu, au lieu de méditer la parole de Dieu, au lieu de prier, mais tu passes ton temps à t'amuser. Pour toi, tu préfères l'anniversaire que de chercher Dieu. Pour toi, tu préfères le couple décalé, le rap du voir, que de chercher Dieu. Pour toi, tu prends plaisir à la musique moderne que la prédication de la parole de Dieu. Pour toi, tu connais Salut Pouba, tu connais Tatou, tu connais Kiflo Pito, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. À toi qui m'entends, tu connais le salaire de Messie, tu connais le corps de Cristiano Ronaldo, c'est toi qui aimes au Real de Madrid, mais tu ne connais pas Dieu. Est-ce que tu penses que c'est normal? Pour toi, tu t'es dit que tu es jeune, tu dois profiter de la vie. Pour toi,
toi qui es du Dieu, toi, qui protège les poches du Dieu pour gagner de l'argent. Moi, ce n'est pas ton document. Au lieu de te confier à Dieu, pour toi qui passes ton temps à te préparer, est-ce que tu es prêt? Pour toi qui n'es pas en paix avec ton frère ou ta soeur, tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas en paix et tu dis tu aimes Dieu. Tu ne parles pas avec quelqu'un de moi ou encore des années. Tu dis toi tu as raison. Tu ne peux pas demander pardon. La personne n'a qu'à venir te demander pardon. Est-ce que c'est normal? Bien aimé, est-ce que tu t'approches de Dieu? Combien sont ceux-là? Tu vois qu'il ne passe pas une semaine sans méditer la parole de Dieu. Si on te pose, oh bien-aimé, quel est le dernier jour où tu as médité la parole de Dieu? Quel est le dernier jour où tu as pris la Bible pour méditer? Bien-aimé, il y a certains qui m'ont dit ça fait des mois ou encore des années. Mais si on te pose la même question, combien de temps tu fais ça pour être ton copain ou encore être ta copine? Bien-aimé, tu m'as dit tu ne peux pas faire deux jours. Si on te pose la question, combien de temps tu passes sans regarder le match de football, sans regarder le ballon, bien aimé, tu ne peux pas passer un mois. Combien de jours tu fais sans regarder, sans jouer sur hasard? Tu ne peux même pas faire et 12 heures sans jouer sur hasard. Mais tu fais une semaine, un mois, sans méditer la parole de Dieu. Il y a toujours un téléphone à tel conseil de ta copine, à tel conseil de ton copain. Mais tu ne peux pas méditer la parole de Dieu. Il dit mon père, et tais-toi pas sur le monde de la connaissance. Bien aimé, ce n'est pas seulement ceux-là qui ne méditent pas, mais c'est ceux-là qui méditent, mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ou qui ne mangent pas en fonction. Il dit, si tu le rejettes, lui aussi te rejettera. Au lieu de passer ton temps à suivre tes camarades, à suivre le commérage, à regarder les pages sur Facebook, à faire les calories bien élevées, il est préférable pour toi, pour ton âme, de chercher Dieu dans sa parole. Tu te renseignes, tel a dit ça, tel conseil. En ce moment, en se rejetant des vêtements désirés, en portant bien dans la mode. Même les fous ne s'habillent plus comme cela. L'homme est devenu fou. En se ramassant, en achetant des vêtements désirés, en porte bien jaune à la mode. Les hommes, l'homme qui vient à l'ira de Dieu, il commence à se baisser, il fait ton luxe, il dit les stars. C'est-à-dire aujourd'hui, tu veux ressembler à Yoruba, tu veux ressembler à Soli Poupa, tu veux ressembler à Messi, tu n'as pas, tu te baisses. Mais tu ne veux pas ressembler à Dieu. Parce que tu peux faire le monde que Dieu aujourd'hui. Un homme qui se taise, c'est honte devant Dieu. Un garçon qui fait deux locks. Un garçon qui se taise, c'est honte devant Dieu. Fais attention. Pas plus tard qu'il y a 20 ans, les parents n'acceptent pas cela. Aujourd'hui, pour les garçons qui taisent, mais les enfants, c'est pour toi. La mort ne va pas avec Dieu. Tu ne peux pas être chrétien en même temps écouter la musique mondaine. C'est toi qui as écouté le rap. Tu écoutes qui se met en tu écoutes toutes ces choses et tu dis que tu es chrétien ou tu dis que tu es chrétien. Il y a toujours un temps derrière le parent. Parent, tu t'arrêtes de jouer en derrière le parent, mais tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. On t'a dit, faut lire la Bible, faut prier. Tu ne peux pas mettre 30 minutes, hein, mais tu fais une heure 30 en train de regarder un ballon et t'as arrêté. Ça, ce n'est pas folie. Tu peux être toujours en train de regarder un ballon. Tu peux pas mettre 30 minutes en train de méditer la parole de Dieu. Tu vas faire 3 heures. Tu as arrêté en train de regarder un ballon. En train de crier, en train de boire bien, mais tu ne peux pas faire 15 minutes de prière. Avec ça, vous voulez mélanger le football avec Dieu. Vous voulez mélanger le suicide avec Dieu. Vous voulez mélanger le rap
à Dieu. Vous voulez mélanger le monde à Dieu. Il dit, on ne se moque pas de lui. La folie, le monde, ayez laissé Dieu devant vous. Tu dois marcher dans cet habit déchiré. Tu portes, c'est normal. Les femmes t'ont emporté. Elles ont cette petite culotte. Elles portent, c'est normal. Que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu ne regarde pas le corps. Tu vas te promener avec ta leçon. Tu vas me chier le pied. Tu vas percer ton nez. Tu vas percer ta partie. Dieu ne regarde pas cela. Faites attention. Tu vas te promener avec culotte dans la rue. Tu vas dire, Dieu ne regarde pas cela. Dieu ne regarde pas le corps. Hein. Ils vont se promener avec culotte. Quand tu dis ça, tu vas comprendre. Tu vas monter tes poissonneurs. Tu vas monter ton bras. Ils n'ont qu'à regarder. Ils n'ont qu'à le fond, ils voient séduire. Tu vas dire, Dieu ne regarde pas cela. Tu vas l'acheter au rapport. Tu as même fantôme. Envoie tes cuissons. Dieu ne regarde pas cela. Tu vas monter tes cuissons. Tu vas monter tes mollets. Laisse-moi le faire regarder. On va réveiller tes enfants. On va réveiller tes fesses. Tu vas dire, Dieu ne regarde pas cela. Parce que ton pasteur ne t'a pas dit cela. Est-ce que toi-même ton intelligence confirme cela, approuve cela? Est-ce que ton intelligence, toi ton intelligence, va dire que Dieu peut que tout le monde ait tout ça? C'est lequel Dieu parle. Regardez comment l'on se sa vie. Elle s'est déshabillée de la rue. Elle dit que Dieu ne regarde pas cela. Elles vont percer les nez. Elles vont faire ta courage. Elles vont monter les postérieurs. Elle dit Dieu ne regarde pas cela. Parce que le pasteur a dit que Dieu ne regarde pas le corps. Ton pasteur a dit que Dieu ne regarde pas le corps. Tu vas me maquiller ça. Tu vas me mettre up. Tu vas aller acheter maintenant. Tu vas mettre ton visage. Tu vas me fondre. Tu mets toutes ces choses. Tu dis Dieu ne regarde pas cela. Parce que ton homme de Dieu a dit que Dieu ne regarde pas cela. Comment voulez-vous le dépêcher? Mets le fameux corps. Tu vas connaître qui est Dieu. Il ne se moque pas de lui. Si tu as rejeté la connaissance, le jour de ta mort, il va te répéter. Vous désappuyez dans la rue. Vous dites, Dieu n'y a pas le corps. Dieu n'y a pas le corps. Est-ce que c'est ça qui a fait ton corps? Tu as désigné les gens dans la rue. Les parents, tu fais cela, il est divin. Tu ne tues pas ton enfant. Je ne l'ai pas vu dessus. Faut sa face de tes habits pour se promener dans la rue. Vous ne parlez pas. Mais Dieu, va lui demander compte. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec Dieu. C'est la simplification totale. Ce n'est pas un jugement, ni encore une condamnation. Je suis venu dire à toi qui te dis nous aussi. Tu as dit que tu es un champion. Fais attention, tu vas mourir un jour. Il n'y a pas de champion après la mort. Fais attention. Le vrai champion, c'est Dieu. Le champion, le champion, c'est Jésus. Donc toi, tu te dois d'être soumis à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé. C'était encore le réveil. International, je vous reviens. Ici, c'est le message de l'évangile. Ça fait mal à certains. Comme tout de suite. Certains nous calomnient. Qu'est-ce cela? Bien-aimés, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous sommes là pour juste 10 minutes. S'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions, ça va encore. Quelque chose, nous sommes encore là. C'est des personnes qui ont besoin de prière. Qui ont besoin de prière. Nous sommes encore là. Si tu as une connaissance qui est malade, n'importe quel genre de maladie, même si la personne est en coma, elle est en coma, même si on te dit que la personne, cette maladie, on ne peut pas soigner. Bien aimé, nous sommes encore là. Et je vais encore laisser un numéro. Bien-aimé, on ne demande pas l'argent. On ne va pas te demander l'argent pour aller chez toi. On ne va pas te demander l'argent pour aller prier. On ne va rien te demander. Si tu as quelqu'un qui est malade, la personne n'est pas à mort, elle est prête à mourir, bien-aimé. Je vais laisser ce numéro. Ne regarde pas ma modeste personne. Pas parce qu'il y a maintenant une question consulte. Vous ne le pensez pas. Donc. Mais bien-aimé, c'est Jésus qui fait. Bien-aimé, nous sommes au 07. Au 57 ans, au 35 ans, au 21, au 56 ans, c'est le numéro WhatsApp en même temps. Je répète encore le numéro. Le 07 ans, le 57 ans,
le 35, le 21 et le 56. Shalom, shalom à vous.